Hello, everyone. Welcome to the Oaks of Righteousness. Um, un terme un peu uh, beaucoup plus uh, a, a vague dans le sens de ce que nous allons exposer au fur et à mesure que nous allons continuer cette étude biblique, c'est-à-dire il y a des versets bibliques que nous allons prendre un peu uh, par-ci par-là et qui nous amène à comprendre un peu beaucoup plus ces choses. Euh, à ce qui concerne la mission de l'Église dans le monde, ou l'impact qu'apporte l'Église dans le monde, ou euh, ce que le monde peut aussi influencer à l'Église. Donc, c'est à peu près ça. Mais permettez-moi ce soir, euh, euh, possible, si euh, cela est possible, je crois que c'est possible parce que vous êtes avec moi ce soir, de, vous, de commencer d'abord à dire un grand bonjour un grand bonjour et bonsoir d'ailleurs à tous ceux qui sont connectés à travers le monde, mes amis, ma famille, amis, connaissances et tous ceux qui sont connectés pour suivre cette étude biblique, votre humble serviteur pasteur Daniel Diele, je vous salue partout à travers le monde, je salue en particulier ceux qui sont en France. À Paris, et Julien Dielé, ainsi que toute la grande famille des Mamissa en Belgique, ainsi que toute la famille, notre famille qui est en, en Belgique d'ailleurs. Je vous salue tous, les amis qui sont en, en Europe. Et, uh, Lydie kabissa meo uh, je te dis un grand bonjour. Merci, Jonathan Sani-Méjoin, merci. Et là, nous sommes en train de dire bonjour et bonsoir à tous nos amis, à uh, Lydie bonsoir. qui est d'ailleurs en Allemagne. Lydie fait un bon travail avec les amis des Diddans. Un grand ami à moi, Père Son âme, qui nous a laissés ensemble tout au long d'une vie qu'on a menée autrefois. Maintenant, nous allons amener cette vie à la gloire du Père. Amen. Que Dieu bénisse tous les amis des Didas, d'ailleurs, qui seront connectés d'un moment à l'autre partout dans le monde. Les amis qui sont à, à Afrique en Afrique de l'Est, en Afrique, Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Et partout là où vous êtes, les pays francophones, et pourquoi pas dans des pays anglophones, là où s'y trouve la diaspora francophone, n'est-ce pas? Je vous dis bonjour, bonjour partout là où vous êtes, et, et, et je reviens <laughs> en Amérique, Jonathan Hassani. Merci, merci, merci d'être là, mon fils. Merci. Je suis béni de te voir, et d'ailleurs, et partager ensemble des, 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 des sujets un peu sensibles aujourd'hui. Oui, oui. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous, on va dire un grand bonjour aux amis de l'Amérique du Nord. On oui. commence par les amis de Québec. <laughs> Québec, le pasteur Léon. Tu as été Léon. là, tu as été <laughs> là. Sur le pasteur Léon, le pasteur Léon a été toujours fidèle pour partager. Oui. Tu le vois là-bas en train de partager aux amis ouais. de les Léon. Il partage. Oui, Écoutez, oui. un grand bonjour en passant à notre ami, pasteur Léon Cincolas. Et que Dieu te bénisse. C'est si à cause de l'œuvre que tu portes à cœur, tu n'as jamais baissé le bras sur ce qui concerne le soutien, ton grand cœur, et c'est défini d'ailleurs de plus en plus, que mm -hmm. Dieu te bénisse, te garde sous sa grâce divine. Telle est ma prière en Dieu pour toi et le rocher de vainqueur qui aussi, vous sali. je vous salue. Je salue mon ami, les pasteurs Eric et Elico Botuna, ainsi que toute la grande famille à, à Montréal. Je salue ceux qui sont à... à à Ottawa et Ottawa. à Michel Mundala. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que Dieu te bénisse Là où tu es, avec le bon travail que tu fais, et que Dieu te bénisse, le pasteur Ezekiel, le prophète Ezekiel, ainsi que toute la grande famille d'Ottawa, partout là où vous êtes, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons vite à, à Ontario. Un grand oui. bonjour à la grande région de Toronto, Toronto Mississauga, Hamilton. Mississauga, Hamilton, <laughs> tu aimes beaucoup Hamilton, même si tu n'es plus là. Écoutez, Hamilton, on vous, vous salue là où vous êtes, à Nana, et, 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 et nous te saluons pour ces grands travaux. Travail que tu fais de créer ton bonheur, que Dieu te bénisse. Nanangobila, que Dieu te bénisse, merci. Et nous saluons toute la grande famille en Ontario, les amis, amis, familles, pasteurs, connaissances, tous ceux qui sont dans la grande région, prophètes, évangélistes, anciens, diacres, apôtres, et partout là où vous êtes, écoutez, une église sans frontières. Nous sommes ensemble pour la prédication, l'étude la, 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 biblique, et nous vous prions de partager, partager avec les membres de familles, les amis, connaissances, partageons et puis... Et, et passons le temps ensemble, Jonathan. Moi, j'invite la famille surtout, ah oui. s'asseoir tout autour d'une table. On n'a a plus ce temps. Je me souviens <laughs> quand j'étais petit, ma maman, et c'était comme une certaine obligation. Elle nous réunissait oui. la nuit à, pour on, lire, dev... pour lire la Bible. on devait lire la Bible et on chantait oui. quelques cantiques. Elle était protestante. Oh. Hein? Elle disait un gagnant à mon côté. Alors on devait chanter comme ça à, et le soir après, quelqu'un va prier. Et maman va dire à tout le monde, allez dormir. Donc, elle se sentait bien. Et il y avait oui. des gens, des cousins de la famille qui devaient rentrer. Ah, juste pour la prière. Donc, c'était mmh. important. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, amis, familles, connaissances, pourquoi pas, s'asseoir tout autour d'une table, prendre un petit café, peut-être, si possible, ou euh, écouter la parole de Dieu. Jonathan, c'est temps toi, tu étais encore jeune, écouter, dans notre époque, là, on, on était tout autour d'un, même de la radio, on est tout autour de la radio, on dit, n'est-ce pas? Oui. Eh, on était là et on, on suivait les, les, les émissions, on suivait les, 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 les histoires, là, et à, à notre il y, avait, um, il y avait un, un, un journaliste et, et et, et, et Brazzavillois qui faisait beaucoup de. Il faisait mmh. beaucoup Mbana, Georges Mbana, si mmh. je, me, je me souviens de ces messieurs. Tu n'étais pas encore là. <laughs> eh, écoute, ça, c'est notre époque, belle époque, oh, oui. ouais. <laughs> C'est notre belle époque. Hein. Et Écoutez, il faisait d'histoires. Georges Mbana rencontrait beaucoup d'histoires. Oh. De de... Bon, oui, on était tout autour là, la, la nuit, on écoutait, mmh. on était là. Mais écoutez, ce soir, je vous prie, <laughs> je vous appelle. Ce n'est plus le temps de Georges Mbana, à qui j'ai beaucoup de respect, je salue, si, il est là présent toujours, sinon que Dieu le bénisse. Mais je dis, c'est le temps maintenant des sociales, des médias, à l'Internet ouvert. Et, et ouvert, j'allais dire, partager, oui. partager, Jonathan, partager. Mm -hmm. Tu le dis toujours aux gens. Nous avons notre page Facebook, oui. social media, Ox, juste tel qu'il est écrit sur l'écran. Oui. Et puis pour YouTube, nous avons Ox of Righteousness. Donc si vous tapez vous allez nous voir et puis nous, aussi, nous avons aussi notre site internet donc ox of righteousness .ca, donc aux, aux of righteousness .ca. donc là vous pouvez aussi suivre notre notre émission live Exactement. et puis donc vous allez remarquer que j'ai mon téléphone avec moi donc je suis pas discret pasteur non non c'est juste si que c'est c'est une étude biblique interactive donc, euh, nous avons des questions qui viendront en ligne. Si vous avez des questions, vous les poser à travers notre site internet, à travers Facebook, à travers YouTube. Donc, euh, moi, de temps en temps, je, je vais checker mon téléphone pour voir s'il y a des questions. Voilà. Et effectivement, c'est ce que nous allons faire. Mais nous, comme je venais de dire, Jonathan, il n'y a pas mmh. longtemps, nous avons commencé un thème. C'est un thème un peu vague. Oui. Et, et, et ça a un peu des facettes à qui nous allons essayer mmh. de décortiquer au fur et à mesure que mm -hmm. nous allons progresser, mais c'est un thème, uh, comme je l'ai dit, à uh, qui aura beaucoup de uh, des versets bibliques tirés à uh, des différents passages, des différents épîtres uh, mm -hmm. et, et, um, et, et, et aussi à uh, évangiles. Mm. Voilà. Nous commençons ce soir l'Église dans le monde ou le monde dans l'Église, mm. uh, sachant que l'Église a une mission, n'est-ce pas? Oui. Jésus a confié à l'Église une mission. Il dit "Allez, faites de toutes les nations mes disciples et les baptisant." On a du Père, du Fils. Et, et l'Église est, une, uh, est une, uh, une maison sur une montagne à mm -hmm. uh, qui uh, tout le monde est censé devoir, de regarder. Comme un point de repère. Oui, un point de repère. Mm -hmm. L'Église est une lumière, n'est-ce pas? Mm -hmm. uh, une lumière, l'Église, et, 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 et comme dit, c'est le sel de ce monde. On parle de l'Église, on parle de nous autres, n'est-ce pas? Mm -hmm. Nous voulons impacter le monde. Et mm -hmm. c'est très important d'ailleurs de, de, de partager ces, ces, ces sujets avec vous parce que uh, l'influence du monde de Jonathan est de plus en plus uh, uh, visible uh, quand ça touche à la vie de l'Église. Et, et nous voyons ces choses-là d'ailleurs. Mais permettez-moi, ce soir, on va lire ensemble avec vous 1 Jean chapitre 2 verset 15. Jonathan va lire mm -hmm. avec moi. Nous allons peut-être conduire jusqu'au verset 17, mais nous avons parlé longtemps avec euh, ⁇ ne vous conformez pas ⁇ Là, où on a basé les versets à 16 et les versets 17 d'ailleurs. Mais lisons d'abord le verset 15 ensemble 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, l'épître de l'apôtre Jean à versets 15 à 17. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Donc n'aimez oui. pas le monde oui. ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout oui. ce qui est dans le monde oui. La convoitise de la chair, oui. la convoitise des yeux, oui. l'orgueil de la vie, oui. ne vient point du, du Père, Amen. mais vient du monde. Vient du monde. Euh, du site. Oui. Et le monde passe, oui. et sa convoitise aussi. Oui. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Oui. Demeure. La volonté de Dieu demeure éternellement. En soi, ces versets, l'apôtre Paul, de ces passages, si vous me permettez, mm -hmm. à, et, et nous parle, ça nous expose, ça nous donne un, un message, un thème. Ça nous mm -hmm. dit, écoute, écoute, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. D'ailleurs, mm -hmm. le moins point, c'est-à-dire que autrefois on aimait. Donc, il y a une certaine possibilité quand on mm -hmm. parle de pas, surtout les anglophones, de pas, de plus et point. Ce oui. mm -hmm. sont des choses qu'on a étudiées en grammaire, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mais ici, l'apôtre Jean insiste en soulignant le point. C'est-à-dire, mmh. n'aimez point. Autrefois, on a aimé le monde, mmh. n'est-ce pas? Autrefois, on a aimé le monde. Dans certaines circonstances, on a fait des choses que le monde exigeait. On, on était, était dans le monde. On, on était dans le on monde. Était monde. <laughs> on était du monde. On était du monde, quelqu'un va dire. Mmh. Donc, en quelque sorte, ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire, écoutez, mmh. n'aimez point. Hein? C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus une possibilité. On ne vous donne pas des alternatives. Il mmh. n'y a pas d'alternative où je dois ou je ne peux pas. En tant que maintenant enfant de Dieu vous voyez, mm -hmm. ici l'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu et dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mm -hmm. Jésus a souligné en priant dans Jean lui-même, il a dit au Père préservez-les, ils sont pas ils sont pas de ce monde mais ils mm -hmm. sont dans, dans le, le monde. monde. Sans d'autres termes nous sommes dans le monde. C'est-à-dire nous vivons, nous voyons et nous pouvons et nous sommes entourés et nous mm -hmm. voyons tout ce qui est dans le monde. Hein, tu comprends un peu, tu es quelque part, mais tu n'es pas ouais, là. Mais tu n'es pas de là. Hein? <laughs> quelqu'un dit, mais je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais. Hein? Donc, qu'est-ce qui n'est pas là? C'est-à-dire, mmh. tu ne focalises pas, tu ne t'engages pas, mmh. tu ne t'y mets pas, tu ne suis pas à ce qui est en train d'être fait dans le monde, mmh. d'abord. Et, et, et quelqu'un me dira aussi, mes dit, mais pasteur, à, comment on ne met pas le monde? Mais la Bible dit... À, et d'ailleurs, dans, 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 dans Jean 2, il insiste. Mm -hmm. Mais dans, dans, dans Jean chapitre 3, il dit, euh, à, il dit à, 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 Dieu attend tant aimé le monde. Il a mm -hmm. tant aimé le monde. Comment est-ce que nous n'allons pas aimer le monde quand Dieu lui-même mm -hmm. a tant aimé le monde mm -hmm. hein? C'est-à-dire encore comme une contradiction, une certaine. Oui. Mais ne pas le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a mm -hmm. donné son fils unique afin que quiconque croit, à croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mm -hmm. Mais de l'autre côté on nous dit écoute n'aimez pas le monde. Mais mm. pourquoi Ce sont des choses que nous allons offrir à yeux progresser ce soir. Mm -hmm. Nous allons parler, voir est-ce que c'était est une contradiction exactement qu'est-ce que Dieu veut dire. Mais mm. le verset seulement à les, les versets disons les, les, les passages de 1 Jean 2, 15 à 17 le verset 16 déjà commence à nous donner une certaine mm -hmm. un entendement sur de quoi est-ce que l'apôtre Jean est en train de dire oui. et pourquoi peut-être on va pas aimer le monde il décrit mm -hmm. certaines choses qui sont à la base mm -hmm. à de ne pas aimer le monde et nous explique pourquoi nous devons pas aimer le monde mm -hmm. Il dit par exemple, tu as lu ça, tu as lu oui, ça, Jonathan, verset 16. Il a dit dans, 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 tout ce qui est dans le monde. C'est-à-dire, on n'aime pas bien. seulement le monde, mais on ne doit le, pas aimer aussi tout ce qui est le contenu. Le contenu. Mm. Et c'est ça même le danger. Parce que et, et, et certains sont tu allés sont un peu exagérer en, en ça. Il y a des doctrine qui crient en ça. Et, tu ne peux pas porter certains habits, mm. tu, ne peux pas porter certaines, tu ne peux pas conduire certaines voitures, tu ne peux pas vivre de certaines manières. Mm -hmm. et il y a certaines personnes même qui voient, même les démons et, et sur l'argent, parce que tout est démoniaque. Donc, comment on ne peut pas aimer les monde? Certaines personnes ont pris ces versets et ils les ont utilisés à l'extrême. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont utilisé ceux qui n'ont pas peut-être compris. Parce que le danger avec l'interprétation de la Bible, c'est que si nous voulons mettre une pensée pour soutenir la pensée de Dieu, nous ouais. nous, tombons, nous tombons, nous tombons déjà, parce ouais. que nous ne pouvons pas mettre nos pensées. C'est la, la Bible, Bible. c'est être révélé, mm -hmm. n'est-ce pas Il y a la partie Logos, tu lis, il y a la partie Réman, qui, mm -hmm. qui est toute une révélation, n'est-ce pas Là où Dieu t'inspire et Dieu te révèle. C'est que tu arrives à cette révélation. C'est de là d'ailleurs, Jonathan, nous allons commencer à voir la, la pensée de okay. la pensée. De, clair le les saint-esprit nous révèle Ici, mmh. mmh. si il parle, parle directement par exemple et dit écoute si quelqu'un n'aime pas le si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point à lui mmh. et quelqu'un dit pourquoi parce qu'il revient au verset 16 et dit car tout ce qui est dans le monde mmh. hein, est ce qui fait qu c'est ce qui enlève l'amour de dieu mmh. hein, qu'est- ce qui enlève l'amour de dieu c'est la convoitise de la chair on a parlé de ça pendant longtemps, on a couvert. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a écrit mm -hmm. et dit Pasteur, il fallait pas quitter ce thème à de, de, de ne pas se conformer au siècle présent parce que c'est un thème un peu vague. Ah, tu es allé un peu, es, c'est comme si tu n'as pas. Tu devais te donner un peu de temps. Mm -hmm. J'ai dit merci à mon frère d'ailleurs, Yves, que Dieu te bénisse là où tu es de m'avoir écrit personnellement. Uh, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu me suis là où tu es et uh, n'hésitez pas à donner des suggestions. Et d'ailleurs, c'est ça la pensée de notre titre biblique. Nous ne voulons pas vous donner seulement mm -hmm. des choses que nous croyons, que nous voulons, mais plutôt nous voulons tous inter, uh, agir, oui, interagir, n'est-ce pas De telle façon que aussi ta pensée soit uh, être reflétée. Je te dit un grand merci, Yves, uh, là où tu es. Merci. Uh, écoutez, nous continuons dans le même sens. D'ailleurs, en lisant, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de nous donner à certains points clairs. Uh -huh. Et disons, l'apôtre Jean, je m'excuse, il nous uh -huh. donne certains points clairs d'ailleurs, pourquoi uh -huh. nous ne devons pas aimer le monde. monde. Il hein? nous parle de, de la convoitise de la chair, tu viens de lire, n'est-ce pas Il uh -huh. nous parle de la convoitise des yeux. Il nous parle, par exemple, de, de l'orgueil de, de la vie. Hein? Et il dit encore, de, ne vient point, ces choses ne viennent point de Dieu. Mm. Hein? Et, et l'apôtre Jean continue à nous faire comprendre, Jonathan, en lisant même que dans la Bible, ah, et, et, et nous ne devons pas. Mais c'est quoi le monde Qu'est-ce qu'on en parle quand on parle du monde, Jonathan mm -hmm. Quand on parle, la Bible parle du monde, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Est-ce qu'il veut nous parler ah, de l'univers, de la terre, ah, de, cette, de cette, ah, ah, la, la terre et de l'univers physique mm -hmm. Ou il veut nous parler... À d'un système. Mmh. J'aimerais dire à quelqu'un, et quand on parle du monde ici, beaucoup plus en soulignant l'amour du monde, n'aimer pas le monde, on ne se fie pas seulement à la référence à de la terre et de l'univers physique. Mmh. C'est par contre, Jonathan ici, il parle, à, il fait le plus souvent référence, mmh. la Bible, au système de pensée. Ce sont des systèmes de pensée de l'homme mmh. qui se rebelle contre la pensée de Dieu. Okay. Donc, quand on parle du monde ici, on okay. se réfère dans ce système qui mmh. se rébelle contre la Un pensée de Dieu. Un système de rébellion. Un système de rébellion qui se rebelle du carrément à de la pensée mmh. de Dieu. Lisons ça par exemple mmh. avec toi, Matthieu 18, chapitre Matthieu 18, verset 7, s'il te plaît. Matthieu, Matthieu 18, verset 7. Verset 7. Donc, Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Écoute, ici on parle des scandales. Mmh. Nous avons dit le monde, ces systèmes-là, mmh. hein, des pensées de l'homme mmh. qui se rébelle contre Dieu. Contre Dieu. Hein? Mmh. Et, et nous savons, la rébellion contre Dieu, c'est le péché, donc mmh. la désobéissance mmh. à sa parole. Nous ne voulons pas se soumettre à ses commandements, à mmh. ses ordres, à sa parole. Nous ne voulons pas vivre selon qu'il nous, qui nous demande de le faire. Mmh. Mais écoutez, Matthieu dit malheur. Malheur à qui, Jonathan À celui-là. Par qui, par qui Le scandale arrive. Le scandale arrive. Mmh. Et, et, et nous le voyons maintenant c nous revenons à notre thème. Jonathan, mmh. nous voyons. Dans le monde, il y a des scandales. Mmh. Il, y a, il y a maintenant même le scandale qui commence à entrer dans l'Église. Mmh. Mmh. C'est ce que l'influence de ces scandales, les scandales qui commencent même à se manifester dans l'Église. Il y a l'influence mmh. du monde qui tend vers l'Église. Il y a l'influence interne de l'Église mmh. parce que nous avons copié le monde. Le monde. Mmh. Nous voulons être comme le monde. Nous voulons okay. penser comme le monde. Nous voulons agir comme le monde. Et à chaque fois que nous prenons cette à, à option, c'est-à-dire nous changeons automatiquement notre position par rapport mmh. à la révérence, à l'obéissance à la mmh. parole de Dieu. Mmh. Et triste de te dire d'ailleurs, nous voyons aujourd'hui les gens sont en train de vivre dans le péché, mmh. dans l'Église. Pourquoi Parce que nous avons copié le monde. Mmh. Et, et, et c'est cela, nous, nous allons de, à, aborder ces sujets vagues. Il y a même de, certains hommes de Dieu qui vont assister. Euh, pendant ce temps, on va inviter certaines personnes. Mm -hmm. Nous allons parler en long, en large. Euh, juste parce que mm. je crois que c'est le temps, Jonathan. Mm. Quand le monde, quand l'Église s'était et accepte l'inacceptable, mm -hmm. hein, soutient ce qu'on ne devait pas, copie ce qu'on ne devait pas, mm. c'est de là, petit à petit, nous voyons notre défaite. Mm. Parce qu'en soi, nous prions. Le peuple de Dieu prie. Nous crions "Réveille, réveille mm -hmm. Il y a plusieurs qui continuent à prier. J'ai fait partie de ceux-là qui prient chaque matin quand nous parlons de réveil spirituel, par exemple. Mm. Mais écoutez, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne compromet pas, ne peut pas, ne peut pas nous compromettre à nos caprices mm -hmm. juste pour nous faire plaisir. Non. Ça, bien. Mm. Dieu ne peut pas compromettre à sa propre parole pour dorloter le mal. Mm. Tu comprendras ici, nous parlons de ces systèmes-là des pensées de, pensée de l'homme hmm. hein, qui se rebelle contre Dieu. Mais parce ça me fait penser aussi à 2 Corinthiens 10 oui. verset 5 qui oui. nous dit que nous, euh, nous renversons les raisonnements et toute, et toute hauteur qui oui. s'élève contre la connaissance de Dieu. Euh, un système qui s'élève contre la il a, connaissance Il y a tout un dieux. système, tout un système, parce que ça fait partie du monde, Jonathan. Mm. C'est bien de toucher d'ailleurs ces versets dans le sens des systèmes. Mm. Tout un système qui contrôle, qui manipule, mm. hein, qui gouverne la vie des gens. Et malheureusement, mm. ces systèmes là a une influence incroyable. Mm. Et, et ça commence petit à petit à pénétrer. À l'église, entrer dans l'église. Hmm. Et, et nous voyons, en soi, si tu regardes, certaines personnes ont copié carrément le monde. Là, oui. On l'a amené à l'église. Oh, oui. ah, Quelqu'un disait, pasteur, même si je suis sauvé, si j'étais ah, ah, voyou, je suis sauvé, est-ce que je dois être voyou hmm. Mais c'est là où tu copies, les... parce que Dieu ne pas créé voyou, hmm. non. Mm -hmm. Dieu ne mm -hmm. pas créé voleur, pas voyou, pas impudique, pas rebelle, non. Ouais, ouais. Dans la pensée de Dieu, c'était pour que tu le reflètes. Mm -hmm. Tu reflètes Jésus, être comme lui. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il est venu nous restaurer à ce que nous avions autrefois perdu. Tu ne peux pas si tu étais, tu étais uh, uh, méchant quand tu te convertis, tu ne resteras pas méchant, n'est-ce pas, Jonathan Non, non. Donc ici, uh, c'est un peu vague, mais Jésus dit malheur à celui qui sera uh, que le scandale arrive. arrive. Mm -hmm. Pourquoi il nous parle déjà, il nous fait comprendre que le monde a beaucoup à offrir et de telle manière que certaines de ses offres affectent l'église et apportent des scandales incroyables. Et nous vivons de là, nous vivons des choses pareilles. Quelqu'un qui vient au nom de Jésus, il vient à une église parce qu'il il prie Jésus, mais il fait des choses incroyables. Le cœur ne reflète pas Dieu. Sa vie est autre que. Qui mmh. qu est la pensée de Dieu. Mmh. Dieu n'est pas dans sa pensée. Mmh. Et, et ce qui est un peu triste quand tu vois ces choses, Jonathan, euh, en parlant de, 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 de la, 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 la pensée de l'homme qui se rébelle contre Dieu, mmh. une euh, des raisons de ne pas aimer le monde, parce que tout ce qui est dans le monde, c'est la rébellion contre Dieu. Mmh. Les gens n'ont pas le cœur de Dieu, n'ont pas le cœur d'amour, n'ont pas le cœur de pardon, ils n'ont pas le cœur de patience, ils n'ont pas ces choses en eux. Parce que le monde, se rebelle. Quand Dieu dit à, « à, aime ton frère », le monde dit hey, « aime ton frère mm ». -hmm. Tu voyais C'est une pensée déjà contre. Et d'ailleurs, lisons encore un peu s'il te plaît, parce que nous allons mm -hmm. vite entrer dans des questions. On vient après d'ouvrir ces, 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 ces messages, ces thèmes. Mm -hmm. Donc, Jean par exemple, Jean 15-19. Pourquoi est-ce que nous devons pas aimer les mondes Donc Jean 15 19. 19. Yeah. Donc je lis à partir de, de verset 19. Oui. Si vous étiez du monde, oui. les mondes aimerait ce qui est à lui. Mais si parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. « À cause de cela, le monde vous hait. » Vous voyez, Jésus est en train de prier, parler à ses disciples. Mm -hmm. C'est dernier, ses derniers jours sur cette terre, sur cette planète. Mm -hmm. Mais il leur parle d'une façon à beaucoup plus… À, 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 et, et, et Permettez particulière d'une façon un peu beaucoup plus euh, euh, personnelle, si mm -hmm, je, vais, mm -hmm. je vais utiliser le terme. Et, il commence à leur faire voir certaines choses, les réalités mm -hmm. du monde. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas aimer le monde mm -hmm. Il dit écoute, parce que la première de, le premier point, il dit, il, il dit si vous étiez du monde. Si vous étiez. Donc, en d'autres termes, nous ne sommes pas de ce monde. Mm -hmm. Comment on peut être dans le monde Parce qu'il nous a déjà pris, il nous a mis à part. Le monde, le système de ce monde, la pensée rebelle mm -hmm. de, de, ce, de ce monde contre Dieu, mm -hmm. c'est un système qui nous exclut. Pourquoi Nous ne faisons pas partie de ce système. Nous ne, sommes pas part, nous ne faisons pas partie de ce mode de vie, de ce système. Mm -hmm. Jésus a dit, « Si vous nous vous étiez. en d'autres termes, il sait, vous n'êtes pas. » N'est-ce pas mm -hmm. Et il continue, il dit quoi ?« Si vous étiez du monde. Mm. » Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais le monde aimerait ce qui est à lui, parce qu'il y a une correspondance, c'est-à-dire il y a quelque chose qui... Est, qui est, il y a une référence, si je peux utiliser le terme, Jonathan. C'est-à-dire, quand je suis dans le monde... Je sens comme le monde, je respire comme le monde, je parle comme le monde, je vis comme le monde. Quelqu'un mmh. dit c'est quoi C'est-à-dire, je vis selon la pensée à, 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 à qui se rébelle contre Dieu, mmh. je respire selon la pensée qui se C'est-à-dire, la vie du péché, mmh. à, la, la manque de révérence à Dieu, à la manque de soumission à sa parole, mm -hmm. la façon de vivre comme, un, à, et comme je veux. Et c'était mm -hmm. une portion des, des gens de ce monde. Alors, mm -hmm. il insiste, Jésus dit vous pas, vous, si vous étiez, c'est-à-dire en d'autres termes, on n'était on pas, on ne on nous sommes pas, nous mm -hmm. ne sommes pas de ce monde. Mm -hmm. Et il continue sa pensée d'ailleurs. il dit quoi encore, Jonathan Donc, euh, si vous étiez, dans le, vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mm -hmm. Et que je vous ai choisi du milieu du monde, Oui. à cause de cela, oui. le monde vous hait. Voilà. Et, et, et on continue. La Bible nous dit de mmh. ne pas aimer le monde. Il s'agit de son système, Jonathan, de son système de valeurs mmh. corrompues. C'est ce système de valeurs corrompues. Mmh. Et nous allons voir d'ailleurs, ces valeurs corrompues commencent petit à petit mmh. à entrer dans l'Église. Et si quelqu'un ne parle pas de ces choses, mm -hmm. nous allons continuer à vivre ces choses comme une à réalité, notre mm. à, une nouvelle façon de vivre, n'est-ce hein? pas Et les gens commencent à vivre comme ça parce ça que écoute, normal. Et, ça normal. Mm. Hein? et ça devient normal, et Ça devient normal. Et pourquoi Parce que bon, écoutez, c'est normal. Mais mais ce système de valeurs corrompies est géré par le diable, mm. Satan est le dieu de ce monde. Il a son propre système de valeurs contraire. À celui de Dieu. Mm. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui contrôle. Des Corinthiens, d'ailleurs, si tu peux lire, mm -hmm. chapitre 4, verset 4. Donc, ici, nous voulons parler d'abord de ce monde-là. C'est quoi s'agit-il mm. Pourquoi nous ne devons pas vivre comme le monde Parce que le monde a un système de valeurs corrompu Et le monde a une façon de voir des choses qui se rebellent mm. contre Dieu. Regarde, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Oui, donc 2 Corinthiens 4, 4. Euh, pour les incrédules dont les, les dieux, en petit d, de siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne, afin, afin qu ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du, de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, le, le Dieu de ce monde déjà a aveuglé Hein, pour qu'ils ne voient pas les, la, la gloire, la, la la, gloire la de gloire Dieu. Christ. La mmh. gloire de Christ. Mmh. Donc, en d'autres termes, nous ne devons pas aimer les mondes mmh. seulement parce que le système de ces mondes-là ne nous, mmh. nous inclut pas dans ce que à, à, nous devons faire dans le sens de mmh. pleurer à Dieu. C'est-à-dire, pour que nous puissions pleurer à Dieu, nous sommes obligés, demandés, mmh. exiger même si je peux utiliser des termes, de ne pas. Vivre selon le monde. Donc on est, quand on est du monde, on est aveuglé par les dieux de, de ces ce mondes. Ce monde. ouais, nous sommes aveuglés. Mmh. Le diable a, nous a aveuglés. Aveuglé. Voilà, écoutez, comment est-ce qu'une personne, une personne intelligente, mmh. que tu peux comprendre, une personne intelligente, mmh. un intellectuel, une personne qui a étudié, il, il est allé même au niveau élevé des études supérieures, mmh. mais il va commettre un péché sale, mmh. comme le péché, par exemple, à des... des um, de, 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 de toucher les enfants. Mm -hmm. hein? Les péchés, par exemple, à, de, de, de commettre l'adultère, et, 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 ce sont des choses qui ne nécessitent pas ton intellectuel. Mm -hmm. et, et le niveau intellectuel, si je, vais, je peux dire, ton mm -hmm. intellect ou le niveau intellectuel. Ici, si ce sont des péchés. C'est une force mm -hmm. plus, plus supérieure qu'elle est ton intelligence mm -hmm. hein? qui vient t'aveugler afin que tu ne puisses pas voir la gloire du Christ. Et cet aveuglement même, des fois, abrutit les gens. Aveuglement, Jonathan, ça arrive... À, on se demande, mais la personne réfléchit. On se demande, est-ce que cette personne réfléchit mm. Regardons ces vidéos qu'on voit ces derniers temps, euh, des annuités de, 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 de certaines personnes. Mm -hmm. Tu peux demander, mais est-ce que cette personne pense mm. d'avoir exposé son corps avec une caméra et il croit que ça va se limiter là-bas mm. hein, Tu peux comprendre, Jonathan. Mm -hmm. Cet aveuglement qui amène quelqu'un de faire un péché, de commettre un péché sale, mm. un péché pas seulement sale mais qui va rester des traces. Ben oui, ben oui. Et, et cette personne là est intellectuelle. Cette personne là et, 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 a, a été donnée les capacités à de, à, de comprendre. Mm -hmm. hein? Et d'ailleurs, ce qui est encore grave, c'est quand c'est entre dans l'Église. Mm. À nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, mm -hmm. qu'on s'y posait de vivre selon, selon la gloire de Dieu, la gloire la... de oui. Dieu. et nous et, et, et automatiquement tu deviens aveuglé mm. c'est comme si tu ne penses même pas à ton lendemain mm. tu ne penses pas même à ceux qui te vont te regarder oui. tu t'exposes à oui. un niveau incroyable mm. Jonathan, tu sais la Bible nous aide à, même à éviter certains problèmes <laughs> hein, certains petits problèmes hein, dans la vie la Bible nous aide. Quand tu lis la Bible, tu comprends qu'il y a certaines choses, Jonathan, tu ne peux pas t'engager. Le diable, oui, oui. Même moi, pasteur, j'ai une situation personnelle comme ça. J'avais un ami euh, que je connaissais bien dans le Seigneur, qui a commencé à faire des choses euh, impossibles. Euh, mais heureusement que moi, avec son frère biologique, on a beaucoup prié pour lui, parce oui. que Dieu l'a délivré. Et oui. puis, plus tard, c'est lui-même qui nous dit, en tout cas. Mes chers amis, j'étais vraiment aveuglé. Je ne savais pas c est, c est ce qui m'arrivait. C'est l'aveuglement, Jonathan. Et mmh. il a avoué lui-même. Oui. Pourquoi Parce que cette fois-ci, il mmh. rentre sous un autre système, mmh. des valeurs qui ne sont pas corrompues. Mmh. Vous voyez Parce qu'on ne le reconnaissait plus. On dit Mais on te connaît, mais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mmh. Eh, ça ne dépend pas de quelle famille tu sors. Mmh. Ça ne dépend pas de quelles études. Mmh. Tu vois, un homme qui s'engage à la pornographie. Ah, il se donne à un niveau bas, laisse mmh. sa femme ah, au lit, et, il est, lui il est devant l'ordinateur mmh. et tu te demandes est-ce que cet homme pense mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Même la logique n'a pas de sens. Logique ça. Pas sens. <laughs> la logique n'a pas de sens. La logique n'est pas. Tu manipules les choses à l'ordinateur, c'est cependant tu as une bonne vie. Pendant ah, que tu as une femme qui est es avec toi, mariée. Écoute, Femme mariée et écoutez ces choses tu comprendras le système de ce monde fait en sorte que mm. <laughs> pas seulement que tu désobéis à Dieu mais tu deviens inutile mm. et, et je connais un témoignage la femme qui descend et voit son mari devant l'ordinateur mm. regarde des choses il regarde son mari il dit mais qu'est-ce qui se passe mm. mais quelque chose ne va pas dans ta tête mm. mais je suis là pour toi mm. L'homme s'est senti humilié, petit, mm. insulté de lui-même, de soi-même, eh oui. simplement parce que le système de ce monde l'a corrompu à un niveau élevé. Mm. Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Mm. Frère, nous devons parler de ces choses. Eh oui. Il y a des familles qui souffrent, mm. il y a des mariages qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Mm. Un jeune me parle et dit, pasteur, j'ai appris ces choses chez moi à la maison. Mm. Quand mon père laissait les livres moi je regardais hum. mais, mais regardez ça c'était à l'époque des livres mais maintenant c'est à l'époque des Ah oui c'est vraiment c'est triste et, 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 et <laughs> notre histoire c'est un docteur qui euh, qui a forniqué qui a attrapé les sida et, et les gens l'ont demandé mais tu es docteur toi tu connais très bien les sida mais comment est-ce que tu as tu tu tu, tu, tu peux même pu te protéger et mais la personne s'est dit je ne sais pas ce que je faisais je ne... maintenant que les, les conséquences sont là, la personne revient en, en elle-même oui. et s'est dit mais c'est comme si on l'avait drogué c'est comme si et, 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 et ça, ça va dans ce qu'on est en train de dire que non euh, le diable vous abritait, vous aveugle c'est pour ça, j'aime ce que tu dis Jonathan, c'est un peu triste de dire ça Surtout quelqu'un qui, qui est allé à un niveau d'études, euh, des études doctorat. de doctorat, quelqu'un qui connaît le, 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 pas seulement le, le bien du mal, le mal, et, mmh. il le connaît maintenant pas seulement par la parole, mais par les par l'intelligence. Les, ah, intelligence. Intelligence. Et pas seulement par l'intelligence, aussi par les, les pra des pratiques, mmh. des témoignages, oui. c'est-à-dire la vie des gens qui ont souffert mmh. de cette maladie. Donc c'est pour te dire, comme tu venais de lire il n'y a pas longtemps. Dans ces systèmes de valeurs corrompues mm. et gérés par quelqu'un, et c'est cet homme-là, le diable qui, il ne fait que les aveugler. Mm. Hein? Ça dit bien ici, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé même l'intelligence mm. au point que certains, ils font des choses. Quand tu te demandes, mais comment tu peux faire des choses pareilles Comment un papa sur sa fille Comment ça peut se faire? Quel sorcier nous devons blaguer, blâmer? Et à chaque fois que tu restes dans ces systèmes, corrompu, Jonathan, il sait pas qu'une seule chose, c'est que ta force, ta personnalité, tout ce que tu as en toi mm -hmm. est vendu par toi-même. Oh. Hein? Tout. Wow. Vendu, vendu par toi-même, si je peux utiliser vendu ou son vendu, vendu. Mm -hmm. par, parce que. Quelque part, tu as aimé le monde. Et quand tu aimes le monde, je ne dis pas ici qu'on ne travaille pas, qu'on ne gagne pas l'argent, qu'on n'achète pas de voitures, qu'on n'achète pas de maisons. Je parle de ces systèmes corrompus qui affectent ta vie dans le sens de désobéir à Dieu, de se rébeller à la pensée, à la parole de Dieu pour plaire à tes propres caprices. Plaire à ta propre vie. C'est pour ça que l'apôtre Jean a souligné d'ailleurs dans ces passages que nous sommes en train de lire, en mm -hmm. Jean chapitre 2, il est descendu au verset 16 pour décrire ce système en détail, tout un système en détail. Wow. Ce système est composé de la convoitise qui est dans l'homme. Mm. La convoitise est dans l'homme, bien aimé. Mon frère, la convoitise est dans l'homme. Mm -hmm. Il faut voir. Comment est-ce que l'homme veut se faire grand quand il est petit Il mm -hmm. veut se faire fort quand il est faible ah. Quand bien même la Bible dit ceux qui sont faibles qui disent qu'ils sont forts. Mm -hmm. hein <laughs> Mais wow. si nous ne parlons pas de ça, nous parlons de la convoitise de l'homme mm -hmm. hein, et de l'orgueil de vie d'ailleurs. L'orgueil de vie qui est lié à richesses, comment accumuler, comment devenir une personne qui vit dans le mal. Qui jouit des biens qui ne lui appartiennent pas. Tu dors et tu te réveilles le matin. Mmh. Et sans, re, sans remords, sans sans, la conscience ne fonctionne plus. La conscience ne fonctionne plus. Mmh. Tu es OK, tu vis bien par rapport aux, à des choses que tu fais. Mmh. Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Mmh. À cause de cela, ils sont allés loin pour faire ces choses et Dieu les a jugés. afin qu'ils tombent encore dans le même mal. Wow. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer les mondes. Wow. Et, et tu comprends d'ailleurs, chaque péché qu'on puisse imaginer, ses, ça, ça prend ses racines. Tous ces péchés que tu vois dans ce monde, tous ceux que tu vois comme péchés commis mm -hmm. à, à, par quelqu'un, n'est lié qu'à ces trois choses mm. la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie. Mm. C'est tout le péché que l'homme commet sous le soleil. Hein est lié wow. à ces choses. C'est pour cela. Le système de, monde, de ce monde étant corrompu, Jonathan, mm -hmm. nous devons faire très, très attention. Le monde est ce que nous, a, nous sommes en train de suivre. Ça nous induit facilement en erreur. Le monde est ce que nous abandonnons quand nous venons à Christ. Hein? Wow. Quand nous venons à Christ, nous abandonnons cette vie d'autrefois. Mm -hmm. Maintenant, pour entrer dans l'Église, maintenant, devenir comme un sacerdoce royal, mm. un, serv, un serviteur de Dieu, un, une servante de Dieu. En entrant l'Église, mm. nous avons abandonné ce système corrompu. Nous ne sommes plus dans ces convoitises des yeux, mm. dans la convoitise de la chair. Nous avons changé notre style de vie. Mm. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train oui, de oui, dire? Oui, oui, oui. C'est dans ce sens-là. Dans wow. le temps court après, nous allons euh, passer à quelques questions que nous avons ici. Et encore un rappel pour nos téléspectateurs. Donc, euh, si vous avez des questions, donc je suis en train de vérifier euh, Facebook, YouTube, même notre page, euh, notre site web. Si vous avez des questions, j'ai mon téléphone avec moi. De temps en temps, vous me voyez regarder euh, sur mon téléphone. Donc, euh, vous pouvez poser votre question et nous allons poser euh, ici live euh, dans l'étude biblique. Donc, euh, pasteur, la première question que j'ai ici, euh, comment est-ce qu'un pasteur. Qui est berger d'une église peut se rassurer que le monde n'entrait pas, pas dans l'église. Une très très bonne question, Jonathan Hassani. Um, un pasteur, un berger, un, prêtre, uh, un apôtre, un uh, évangéliste, prophète et autres peut se rassurer pas le que le monde n'entre pas dans l'église. Comment? Mm -hmm. Premièrement, les enseignements. Ils doivent enseigner l'Église. Et nous avons vu tous les épîtres que l'apôtre Paul a écrits, mm -hmm. que ce soit aux Romains, que ce soit aux, à, 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 aux Éphésiens et autres, en descendant Galates, et il va jusqu'à chez les, les Philippiens et autres. Il mm -hmm. les enseigne de choses qui devaient les épargner à suivre des faux enseignements, à suivre de faux prophètes, de faux enseignants. Les enseignements sont très importants dans l'église. Malheureusement, l'église a perdu cette, cette soif-là, ce désir d'être enseignée. Les gens préfèrent les prédications. Les gens préfèrent des, des, des prophéties et autres. Mais les enseignements sont très importants pour éviter que l'église entre, dans, le monde entre dans l'église. La première des choses, Jonathan, c'est les enseignements. Les enseignements. La deuxième des choses, c'est la prière. Et la troisième, c'est une discipline. Qu'est-ce que la discipline fait La discipline renforce <laughs> les enseignements donnés. Mm -hmm. Les gens, on commence maintenant à, commence maintenant à pratiquer, mm -hmm. à pratiquer les enseignements. Par oh. exemple, l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'apostasie. À comment est-ce qu'on était en train de, de, de donner d'autres enseignements mmh. à ceux qui voulaient recevoir Jésus-Christ Il voulait leur ajouter la, la circoncision au-dessus de, de la foi en Christ. Mmh. L'apôtre Paul a enseigné il a, ta, il a, il a, il a ciblé ces faux enseignants mmh. en démontrant l'évangile de, de Jésus-Christ, la sainte mmh. doctrine. Donc, la première des choses, on attend très important un pasteur ne peut que éviter, ne peut que à veiller à son Église pour que le monde n'entre pas dans l'Église mmh. par les enseignements. Mmh. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous venons de lire, si quelqu'un l'amour du monde, hein? Il a, mmh. si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, de, 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 de Dieu n'est pas. pas. pas en lui. Oui. Donc, en, en, en quelque sorte, nous avons déjà passé un message. Mmh. Et nous n'avons pas seulement passé un message, nous avons défini de quoi s'agit-il. Mmh. Hein? C'est quoi le monde? Nous, mmh. avons mmh. nous avons parlé du monde comme ces systèmes de valeurs corrompues. Nous avons parlé du monde comme la pensée est de, de, de rebelle contre Dieu. Et nous avons défini aussi. Tu es allé loin, même toi-même, en disant le, comment les dieux de ce monde les a aveuglés. En d'autres termes, les enseignements sont. Le, le, C'est très important pour l'Église mmh. de ne pas tomber, de ne pas tomber, j'allais dire. Dans la paix, dans Donc la les paix. enseignements nous, nous donnent des outils pour combattre le dieu de ce monde si on le, peut si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire, les enseignements nous donnent la, les capacités. Ça mmh. nous donne d'abord la révélation, la révélation mmh. par rapport à la pensée de Dieu mmh. et aussi la révélation contre le manigance du diable. L'apôtre Paul dit, ne, vous, ne, soyez pas, ne, vous, soyez pas ne soyez pas ignorants des manigances du diable, mm -hmm. de sa façon de faire des choses. Oui, oui. Alors, en d'autres termes, quand nous apprenons, nous, en, nous écoutons des, des enseignements et nous savons comment est-ce que nous devons nous conduire, nous comporter par mm -hmm. rapport d'abord à la parole de Dieu et par rapport aussi à nous-mêmes, mm -hmm. à soi-même et aux autres. Et ouais. comme je disais, la prière, qu'est-ce que la prière fait La prière nous donne cette force-là. Mmh. Hein? cette force-là de, de, de vivre l'implication, l'application de la parole de Dieu. Mmh. Et, et, et par la prière, nous descendons maintenant à une discipline. Une discipline, qu'est-ce que la discipline fait La discipline te mmh. garde à te dire non, j'ai déjà écouté les enseignements, j'ai la force par grâce, par travers la prière, maintenant je peux résister, je mmh. peux refuser à ce mal, mmh. hein vous avez la révélation. Vous avez la révélation. Donc une église qui est bien enseignée, c'est une église euh, dans laquelle ce sera difficile pour le, le monde d'entrer dans, dans cette église. Ce sera difficile. Regarde, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Mmh. Le Corinthien, est une église des diverses euh, de dons, bénis, mmh. divers dons. J'avais dit, il avait beau des dons spirituels, mmh. mais il y avait une, la mondanité dans l'église. C'est-à-dire, il y avait même quelques personnes qui vivaient avec les femmes. De leur père, Et un certain niveau d'immoralité élevé. Mm -hmm. Et les femmes abandonnaient leur mari, vice-versa, parce qu'ils devenaient en Christ. Mm -hmm. Il y avait une confusion. Écoutez, l'esprit était là, les sure. dons étaient là, mais il y avait aussi l'immoralité qui battait les plans. Mm -hmm. Alors l'apôtre Paul a fait des enseignements, deux des enseignements. séries des enseignements, un Coréthien et le deux Corinthiens, mmh. juste pour les parler, les enseigner pour ce qui concerne mmh. comment se conduire. Et c'est très important, c'est ce que l'Église manque. Nous passons mmh. beaucoup de temps, des commotions. Nous ne voulons pas, écoutez, je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour montrer aux gens que nous, avons, nous pouvons parler. Mmh. Il y a des pasteurs éloquents, des pasteurs qui parlent français comme s'ils si, euh, étaient nés, et, de, de, ils parlaient français de le sang de, 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 de leur maman. Mmh. Et, mais cela n'est pas ce qui change une église. Oui. Ce qui change une église, ce sont les enseignements mmh. que nous apportons. Ces enseignements, ça ne vient pas de nous. Ça vient du Christ. Ça vient de l'évangile, de, de la parole de Dieu. Mm. Donc, ce que nous devons faire, une église bien enseignée, c'est un. Mm. Deuxièmement, une église qui prie, c'est-à-dire qui prie pour avoir la force. Jésus a la prié. Vie de la vie de prière, mm. écoutez. Jésus est allé à Gethsemane. Il a prié. Mm. Il a dit, Père, s'il y a moyen, que ce coupes passe. Pourquoi mm -hmm. il dit cela mm. Pourquoi il dit cela Parce qu'il ah, devait affronter une situation. Mm -hmm. Il avait besoin d'une force. Il est allé rentrer à ses disciples et dit Priez avec moi, ne fils qui mm -hmm. Pourquoi mm -hmm. En d'autres termes, il nous rappelle et il nous fait comprendre d'ailleurs que c'est très très important. C'est très important pour avoir la vie des prières. Pour la mm -hmm. vie des prières. Mm -hmm. Donc la vie des prières pour une église enseignée les ramène à devenir ferme. Hein? Mm -hmm. fermes dans les enseignements. La vie de prière, t'aide à, à renforcer ce qui t'a été donné. Wow. Et, et, et après ça, c'est une discipline. Mm. Parce que, regarde, quand tu as des enseignements, mm -hmm. le pasteur n'est pas là avec toi. Oui. C'est la discipline que tu vas être, appliquer maintenant dans ces enseignements. Oh. Par exemple, de pour ne pas tomber à l'impudicité, mm -hmm. ce n'est pas, pas que le pasteur doit être derrière toi pour dire non, ne tombe pas, ne tombe pas. C'est mm. les enseignements que tu as réussi que le Saint-Esprit t'entend de retenter, de remettre en toi-même. Mm -hmm. Et ces enseignements te poussent à se souvenir à ce que Dieu veut que tu fasses. Mm. Très important, Jonathan. Wow. Yeah. Très important. <laughs> mais, pasteur, ça me... par rapport à votre réponse, donc, euh, une fois, je, je regardais une vidéo de le Pasteur qui fouettait le, le fidèle. Euh, mais, comment peut-on... Parce qu'il y a des églises où il n'y a pas d'enseignement. Et on voit que c'est comme de la jungle. Mais il y a des églises pareilles, pasteur. Je ne sais pas s'il si faut instaurer la discipline. Par, coup, par où peut-on commencer bah, Écoutez, <laughs> quand on ne lit pas bien sa Bible, mm. on fait des doctrines, on fait des enseignements erronés. Mm. Parce que le danger de la Bible, parce que nous autres, nous avons la, 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 la grâce d'aller. Étudier, faire la théologie et mm -hmm. autres. Um, euh, euh, nous avons reçu certaines structures. Nous avons il y a tout un, un cours qui nous a été donné sur l'interprétation de la Bible. De la Bible. Ouais. Mm. Comment interpréter la Bible, comment enseigner, aussi à, et aussi l'art, comment, comment prêcher. Mm -hmm. Nous avons pris ces cours-là Uh, et, 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 et c'était vraiment beaucoup sérieux parce qu'on mm -hmm. ne veut pas te mettre devant l'Assemblée, devant des gens que tu leur parles, de, qui leur disent de, de, de rencontre des de fables. Euh, l'enseignement selon toi. Selon La, non. <laughs> et, et, tu ne te réveilles pas un bon matin, tu vas prendre ta Bible pour dire ce que tu veux mm -hmm. et, et je te dis un bon enseignant, un bon pasteur, un mm -hmm. bon enseignant passe plus de temps à préparer l'enseignement qu'à prêcher l'enseignement. Mm -hmm. Parce que regarde, tu peux préparer une prédication de 30 minutes pendant 3 mm -hmm. heures, <laughs> mm -hmm. pendant une heure, pendant 2 heures. Donc, et la prière et tout, tu prépares mm -hmm. pour prêcher une prédication de 30 minutes ou de 45 minutes. Mm -hmm. Tu comprends euh, Si un pasteur se réveille un bon matin, prend son fouet, commence à fouetter les gens pour leur dire que non, c'est l'ordination, ça, ça devient un problème. Ça devient un sérieux problème. Jésus n'a même... pas frappé ah, l'apôtre mm -hmm. Pierre. Il n'a pas frappé, il n'a pas tapé sur pierre, il n'a pas tapé sur Mathieu, il n'y a eu jamais. Regarde, ça c'est le premier prototype, le premier exemple que nous devons prendre des serviteurs que Jésus a formés. Il a formé les douze et par ces douze-là, il, il, il nous a inculqué une, une, une vie. Hein? C'est par le douze. Et comment est-ce que Jésus a traité, a traité les douze Quel a été le baptême ou l'ordination de ces... Comment est-ce que et d'ailleurs Jésus lui-même il dit à la fin de son presque à la fin de son ministère mm -hmm. il dit à ses disciples écoute euh, vous n'êtes plus mes disciples vous êtes devenus mes amis On mm -hmm. hein? on frappe pas son ami comme ça mm -hmm. et c'est à dire j'ai dit toujours quand on lit pas sa Bible on va créer des on va faire des doctrines oui. on va créer des églises en avec beaucoup de confusion mm -hmm. on dit d'imposer la main et ils imposent les pieds ah, ben, je ne sais pas. <laughs> quel... et ils imposent des pieds sur le ventre d'une femme grosse. Yeah. Ben, euh, écoute, oui. ce, sont des choses, ce sont des réalités, Jonathan. Ouais, ouais, c'est uh, yeah. pour ça que je, nous, avons, nous allons parler de ces thèmes ici. L'Église mm -hmm. dans le monde ou le monde dans l'Église. Yeah. Comment est-ce que ces choses se manifestent Nous commençons déjà à voir ces choses. Mm -hmm. Et le danger en est que le peuple est très vulnérable. Ces fois, ils sont là. Ils font la volonté de celui qui leur dit de faire. Mm -hmm. Et, mm -hmm. et c'est qui les enseigne. Parce qu'ils sont liés sous une puissance aveuglée, je dirais. Mm. Hein? Et c'est un danger à, à l'Église actuelle aux enfants de Dieu de s'asseoir dans une Église où on te dit des choses qui sont contraires à la Bible, à la Bible. et que tu deviens fanatique. Donc là, tu es venu, de, tu deviens vraiment aveuglé. L'aveuglement, c'est-à-dire plus 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 plus, c'est-à-dire <laughs> tu vois ce qui, est, tu, tu ne sais même pas comprendre que c'est pourquoi? Parce que toi-même en tant qu'enfant de Dieu, mmh, tu ne lis pas tu la lis Bible. Par la parole. Mais c'est là aussi que se situe le, le, le problème pasteur, parce que dans l'Église, on ne lit pas, euh, on lit pas la parole de Dieu, donc on laisse tout euh, à l'homme de Dieu pour nous enseigner. C'est un danger. Énorme. Moi, je l'ai dit toujours à mon Église, à tous les serviteurs qui sont sous mon leadership. Mmh. Je ne inculque pas mes pensées à moi. J'ai prié tout le jour que Dieu se révèle, puisse donner une révélation à chacun des, mm -hmm. des, des serviteurs qui sont dans mon église. Mm -hmm. Simplement pourquoi? Parce que si Dieu révèle des choses dans ta vie, tu les feras mieux que ma persuasion, mm -hmm. mon encouragement. J'ai prié ça, c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, visite-les. Mm -hmm. Que le Seigneur puisse nous visiter. Regardez, je vais te dire une chose. Le jour où Dieu et Jésus s'est révélé à Thomas, Thomas a changé. Mm -hmm. C'était un homme à plusieurs questions, un homme qui résistait jusqu'au jour où Jésus s'est révélé à Thomas. Mmh. Par contre, Jésus Thomas était avec Jésus tous toute le, toute le, les, les, les trois ans des ministères. Mmh. Mais il, il demeurait la même personne jusqu'au jour où il a reçu la révélation. Et c'est seulement la révélation qui lui a changé. C'est la révélation qui nous change, papa. Si Dieu ne se révèle pas en toi. Tu c'est même un suiviste, une personne qui suit. Mm. suit. C'est pour cela tout enfant de Dieu doit prier que Dieu puisse se révéler. Révèle-toi. Mm. Et il a dit même lui-même, il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Wow. Je vais me ré... En d'autres, il va se révéler en toi. Wow. Donc la révélation de la parole de Dieu est importante. Le pasteur, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous sommes des instruments. Que Dieu utilise pour faire sa volonté. Et sa volonté, derrière, la première des volontés, c'est de faire des disciples. Aller faire de toutes les nations mes disciples. Mm -hmm. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la mission d'un pas d'un serviteur de Dieu. C'est de faire des disciples, les enseigner. Mm -hmm. hein? Tout ce qui a été prescrit, ah. n'est-ce pas? Ah. Le temps nous court après, sinon on va développer toujours dans, la, dans, la zone, dans cette direction-là. Alors, on a une question qui a été posée par notre sœur Carole qui nous suit, que nous saluons bien. Euh, donc, euh, la question c'est, quel est le rôle de l'Église dans le monde? Une très bonne question, ma sœur, que Dieu te bénisse. Souviens-toi que l'Église est une, est une uh, uh, lumière, lampe, si on peut parler, hein, mm. qu'on a mis sur une table. Le rôle de l'Église, ma sœur, c'est d'amener le monde à Christ, de faire de toutes les nations les disciples. C'est ça la, le rôle de l'Église d'abord, c'est d'amener, de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le rôle de l'Église, c'est d'influencer le monde à revenir vers Dieu. Le rôle de l'Église, c'est d'impacter la vie de Dieu à l'Église. Mmh. Le rôle de l'Église, c'est d'amener la vie dans le monde. Mmh. Nous sommes le sel de la terre. Le rôle de l'Église, c'est de donner la saveur que le mmh. monde n'a pas. Le monde a perdu le boussole, si vous permettez les termes. C'est-à-dire, il est, mmh. est d'emblée de cette à Aveuglement là que oui. le diable. Le rôle de l'Église c'est d'ouvrir les yeux de monde pour qu'ils puissent voir comment, oui. par les enseignements de Dieu, par les gagner comme les disciples. C'est ça le, le rôle de l'Église. Oui. Maintenant, le danger n'est que au lieu que l'Église joue son rôle parce que le rôle de l'Église implique aussi, ma sœur, les trois dimensions de l'être. Mmh. C'est-à-dire la société aussi, quand je parle de l'âme, le corps, l'esprit, le rôle de l'Église s'implique indirectement ou directement mmh. à, la so à la vie de la société. Comment Parce que tout est basé sur la société, la famille et Mais autres, oui. dont l'Église doit apporter une certaine à, 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 à façon de vivre. Une influence. Une influence. Okay. Mmh. Et qui n'est pas de nous-mêmes, qui est... N'est-ce pas donné par Jésus Il a dit, mm « -hmm. à, à Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Il parle, il nous a donné l'autorité. Il dit, « À l'effet de toutes les nations, mes disciples, le rôle de l'Église, c'est d'être la lumière du monde. Mm. Le rôle de l'Église, c'est d'être le sel de ce monde. Le rôle de l'Église, c'est d'influencer l'Église mm -hmm. à le monde, à Christ. Yeah. Le rôle de l'Église, c'est à peu près ça. Si je peux me résumer en ces termes, mm. ma soeur. Yeah. Okay. Mm. Ben nous sommes à, à, le temps nous est, est écroulé, malheureusement. Oui. Donc, euh, nous allons devoir euh, clôturer là. Oui. Parce que moi, ce qui m'a touché euh, vraiment dans cette étude, euh, oui. c'est vraiment le rôle de l'enseignement oui. et la parole de Dieu. Yeah. Euh, ça, ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, nous voyons que plusieurs églises n'ont pas vraiment... Euh, l'enseignement n'enseigne pas les fidèles. Oui. Et, et puis... Euh, même dans l'enseignement, des fois, il y a des enseignements erronés, comme Bien. vous l'avez dit, des oui. gens qui, qui prêchent selon eux-mêmes au oui. lieu de prêcher selon Dieu. Oui. Donc, euh, dans ça, euh, le peuple de Dieu doit aussi faire un travail de lire la parole. Le de peuple de Dieu, de Jonathan, Dieu. Tu, tu touches un point très sensible, d'ailleurs, c'est mmh. notre prière en Dieu. Il n'y a pas réveil mmh. sans <laughs> la lumière de Dieu, sans mmh. les enseignements. Le, le réveil est venu dans l'ancien, dans l'Église primitive, mmh. parce qu'on les a L'apôtre mmh. Pierre arrive quelque part, il parle de Jésus. Mmh. Il enseigne la parole jusqu'au point que les gens ont dit, mais que devons-nous faire mmh. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que mmh. tu nous as enseigné Il leur a demandé, avez-vous été baptisés mmh. Non, pas encore. Hein? Mmh. Et qu il les a ordonnés, il a commandé d'être baptisés au nom de Jésus pour leur émission de leurs péchés. Sans mmh. d'autres termes, c'est les enseignements qui amènent la vraie révolution, mmh. qui transforme la vie. Il y des gens. Et regarde, si on t'enseigne ces Jésus vivant, mmh. et on te dit que ces Jésus était mort et ressuscité, et que cela révolutionne ta vie, toi tu vas courir pour chercher 10 000. Mmh. Regarde, Jésus a donné un enseignement à la femme samaritaine. Très rapide, mmh. une courte exhortation dans deux forme d'enseignement. Mmh. <laughs> Il lui a donné, par exemple, l'enseignement sur le lieu de l'adoration. Mmh. La femme lui dit, écoute, nous autres, nous adorons ici, vous, d les Juifs, vous adorez là-bas. Jésus a dit, les revenir. il y aura pris les endroits que toi, tu veux chercher à adorer. Voilà mmh. ce que... C'était les enseignements. Lui a, mmh. elle a, il a, lui a enseigné la femme un peu de temps. Et qu'est-ce que la femme a fait Elle a couru au village. Mmh. Hein Et en allant là-bas, parce qu'il avait déjà rencontré quelque chose. Et ça lui a transformé. Jésus a oui. enseigné Nathanaël. Il parle à Philippe et il parle à ces gens. Il parle, je crois, un des. Il parle avant que tu viennes, Si je ne me trompe pas, il, mm -hmm. il lui parle et dit là où il était. Il explique. Il, il lui parle de la divinité de Dieu. Il parle de l'omniscience de Dieu. Il lui parle du pouvoir souverain de Dieu de voir tout partout. Mm -hmm. Vous voyez, les enseignements Jonathan est très très important, très important, j'ai dit. J'ai dit les entraînements est très important parce que une mmh. église enseignée, un enfant dédié à enseigner, ne sera pas driblé par son pasteur. Mmh. Je t'ai dit ça. Comment, pourquoi dribler J'utilise ce terme parce qu'il y a des enseignements erronés. Mmh. Regarde, les chrétiens de Béret, Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils écoutaient les enseignements, mais ils rentraient chez eux à la maison. Ils vérifiaient les écritures. Mmh. Pourquoi mmh. Simplement parce qu'ils se disaient OK. Nous avons écouté tout ce qui nous avait été dit, mais nous voulons apprendre encore plus. Ce qui est un peu triste ces derniers temps, on s'arrête ici Jonathan, c'est le désir. Le désir de lire la parole n'est plus. Mm. Nous pouvons passer des heures et des heures en d'autres choses. Dès que c'est le temps de lire la parole, c'est soit la fatigue. C'est soit les, les occupations, c'est soit le <laughs> sommeil, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous arrive. En... Oui, oui. Donc il nous faut une discipline, mm. une certaine discipline de se dire moi en tant que chrétien, de midi à midi 30, à midi 15, je vais ne que lire un passage. Mm. Et je vais me baser sur ce passage jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux de comprendre. C'est-à-dire, le désir n'y est plus, mon frère. Donc nous devons rentrer dans ces choses. Voilà, c'est ici, ici que nous allons terminer. Oui, donc euh, ah, je vais vous laisser dire les mots de la fin. Merci, Jonathan. C'est comme je disais, merci. On a essayé de toucher certains points, mais nous venons à peine de commencer les thèmes. Si vous pouvez ah, ah, participer, ah, assister ah, partout là où vous êtes, ah, écrire ou commenter, même si à ah, l'église ah, et dans le monde ou le monde dans l'église. Ah, nous parlons de ces thèmes et nous avons touché. En Jean chapitre 2 versets 15 et 16, en descendant même à 17, c'est-à-dire l'amour de ce monde. Nous voulons que vous euh, euh, nous euh, vous, envoyez, vous pouvez nous envoyer aussi vos suggestions et autres, comme je venais de dire, et que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce qu'on va se retrouver encore très, très bientôt. Euh, votre humble serviteur, pasteur Daniel Diele, que le Seigneur vous bénisse. Merci jusqu'à ce qu'on va se retrouver encore très bientôt. Merci. Bye bye.